What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour un moment de nostalgie. Ce vendredi soir on est retourné faire le raid d'Athéon. Alors ça faisait plus d'un an que je l'avais pas fait. Franchement ça fait vraiment du bien. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur le jeu, le raid d'Athéon c'est le caveau de verre. C'est le tout premier raid qui a été donc implanté dans le jeu. Et aux yeux des joueurs qui sont là depuis le début de Destiny, ça restera quoi qu'il arrive le meilleur des raids, du moins pour la plupart. Voilà, j'ai pas parlé sur un aspect général, mais c'est vrai que pour la plupart des gens c'est quand même le meilleur des raids. C'est voilà le raid qui est le plus appréciable à faire. Ce raid au tout début du jeu, il nous a vraiment donné du fer à retordre. Faut savoir qu'au tout début du jeu on n'avait pas les doctrines qui étaient montées à fond. Destiny on le maîtrisait pas comme on le maîtrise aujourd'hui. On n'avait pas le stuff nécessaire non plus. Et il faut savoir également que c'est le raid sur lequel c'est le plus dur de looter. Et qu'à l'époque, donc en année 1, il me semble, si je dis pas de bêtises, on pouvait monter niveau 28 sans le raid. Et par contre il fallait monter, faire obligatoirement le raid pour monter au delà du niveau 28. Si je me trompe pas c'est bien le niveau 28. En tout cas voilà, pour être niveau maximum, donc était le niveau 30 à l'époque, fallait quoi qu'il arrive faire le raid. Et les loots tombaient vraiment très rarement. C'était vraiment une galère. Moi franchement en faisant les raids toutes les semaines, 3 fois par semaine, j'ai mis plus de 2 mois à monter niveau 30. Donc voilà, c'était assez compliqué. Mais ce raid, ça fait vraiment, vraiment du bien de le faire. Alors là, sur le gameplay, ça va vous sembler vraiment très facile. Parce que d'une, on le connaît, donc on le maîtrise. Et de deux, aujourd'hui on est niveau 40. Donc on va pas parler de la lumière parce que ça tient pas compte de la lumière si je dis pas de bêtises. Mais on est niveau 40 et les mobs ils sont, si je dis pas de bêtises, niveau 30. Et faut savoir qu'en fait dans Destiny, quand il y a plus de 4 niveaux d'écart, et ben en fait il va avoir un petit... voilà, une sorte de rétablissement des niveaux. Et du coup, les ennemis, là, c'est comme si c'était niveau... enfin, c'est comme si nous, on était niveau 34, je crois, en gros. Donc, on peut... voilà, comme s'il y avait 4 niveaux d'écart entre les ennemis et nous, si vous avez bien compris. Et du coup, c'est vrai qu'on les balaye, les ennemis, vous allez voir. Enfin, les étapes, on les passe à chaque fois du premier coup. Voilà, bon, ça, il n'y a pas de réel mérite, je vais pas vous mentir. Tout le monde, aujourd'hui, le passe du premier coup. Mais en tout cas, voilà, c'était pour retourner sur ce raid. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire, vous allez pouvoir le découvrir avec nous. Donc, j'ai été accompagné de Amarial, il y avait Killer, il y avait Poséidon, il y avait Véléfort et il y avait Proximi. Voilà, un grand merci à eux. Et puis vous allez voir, on a passé un bon moment, c'est bien marré. Puis je laisserai également les loots, hein. Vous allez voir mes petits loots, franchement je suis assez content. J'ai récupéré une arme que j'avais démantelée il y a très longtemps. Mais vous allez voir, je pense que vous allez comprendre en regardant le gameplay. Allez les gars, je vous souhaite vraiment un très bon visionnage. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce raid dans l'espace des commentaires. A très bientôt, tchuss. Franchement ouais, il faudrait qu'il fasse un peu à la... à la... Warcraft. Bah à la Théon. À la Warcraft, ouais, voilà, c'est ceux qui jouent le mode mythique. Ceux qui ouais, c'est ça, franchement. C'est ce que j'allais dire. Un mode mythique, ça serait génial. Après, en fait, tu peux, tu vois, tu peux mettre un raid, le raid de base normal, en assez accessible à tout le monde, tu vois, mais après, genre, le mode hard, là, tu faut que tu fasses vraiment un truc difficile, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est fini. Parce que glitcher, ouais. Killer. Parce que franchement, tu laisses le raid normal avec les défis, il y a quand même un petit peu de difficulté pour ceux qui en ont besoin. Et puis tu mets le hard, mais vraiment hard quoi. Ouais, c'est ça. Faut qu'il y ait plus d'écart. Ah, ça fait trop bizarre de rentrer dedans. Faut qu'il y ait plus d'écart entre le. Sinon, il faudrait mettre les défis sur les anciens quoi. Oh putain, t'imagines un Athéon avec des défis. Athéon au coup de poing. Ah, bah non, mais. il tape du pied, c'est bon, t'es mort. Oh là là, non, prenez pas le coffre au début, ça loot, ça fait des loot. Au début, on disait tout ça. Ah ouais, c'est vrai, il y avait ça. Prenez pas le coffre. Ouais. Ah ouais. Ah oui, il y avait quoi? Prenez pas le coffre. En fait, il y avait une rumeur, si tu prenais le coffre, ça te niquait les loot d'exotique ou je sais pas quoi. Dans les... Oh, il y avait tellement de conneries comme ça. Hein. J'ai kiffé cette rumeur, c'était les rageux qui lootaient que dalle. Ça, c'est des légendes, ça. Ouais, c'est ça. Attendez, par contre, il y avait un truc, c'était quoi déjà pour débloquer le coffre? Ah si, mais... Ah. Bah voilà. Pour débloquer le sixième coffre, c'est... Okay. Il faut tuer le Templier un tour. Ouais, un tour, il faut que tu... Sans TP, voilà. Ouais. Faut bloquer TP. Ah oui, il faut bloquer le TP. Nous, on essaie de le faire quand même. Ouais, faut ouais, titambule et... qui se mette là où il est. Non, non, y'a pas besoin de titambule. On met 5 galores, c'est bon, il est couché. 5 galores et une flèche en plus. Ouais, mais faut pas... Ouais, mais faut... Ouais, mais il va se TP. Non, on va bloquer, on va les bloquer les TP. Oui, faut les bloquer. Tu les bloques, il y a juste le porteur de reliques qui doit bien gérer, et nous on doit bien gérer les oracles. On descend, c'est bon? Ouais, mais n'oubliez pas que même si on a un gala 400, les dégâts sont rééquilibrés. Faites gaffe, enfin, c'est moi qui dis ça, vous allez rire, mais il n'y a pas de revive. Hein. Oui, et là, cette étape elle est longue, hein. Cette étape elle est très longue, elle vaut presque un raid. Un des nouveaux raids. Un assaut. Ah, t'es bien. Je me souviens au tout début, c'était la misère là-dedans. Vous vous souvenez au tout début, on était à gauche là-bas sur la plateforme dans le vide.
Sur la plateforme là-bas là. Ouais. Ici là. Ah, cette plateforme là-bas. Ah, mais le. On se mettait là-bas au début. Glitché pour que ça soit plus facile, tellement. C'était dur avant. Bah, c'est pas que c'était pour que ça soit plus facile, c'est juste qu'on n'y arrivait pas quoi. Donc on cherchait le. Ouais, voilà. La facilité, quoi. Par contre, ils ont toujours pas enlevé le gros troll de genre. Tu joues avec le brise-glace, t'as que des munitions vertes par terre. Là, c'est des bâtards pour ça. Ou tu restais en l'air quand il y a des oracles. Ouais, putain. Ouais, je fais la cacher. Tu te mettais dans le glitch en haut là. Il y en avait, ouais. Ouais, quand ah, oui, c'est vrai. Qui savait faire le glitch, t'étais heureux, t'étais là. Oh, bravo. Ah, j'avoue, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il y a aussi la déco là lors des gorgones. Ah, ah oui, tu peux passer un mec. En orbite, je le passe. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est bon, t'es passé. Et au début, tout au début, on pouvait même choisir sur Athéon les 3 mecs qui étaient TP en se collant à la porte. C'est ouais. Ça. Ah merde. Au revoir, killer. Ah, killer. Non. J'ai glissé, chef. Bon, c'est bon, on peut te ressusciter. Hein. Ah, quand on mourrait tous, suicidez-vous. Ouais, après est-ce on les fait les légions. On les fait les légions. Est-ce que vous vous rappelez, les légions, on se mettait là. Ouais. On se cache pas pour les légions. Dans le petit coin là, moi je me cache toujours. Ah, moi aussi je restais là comme une fouine. Je vais aller les rejoindre. Ça m'étonne pas là. Toi ouais, vous êtes caché. Ouais, attends, je vais même lancer mon super, c'est quoi, pour les défoncer. Ça sert à rien. Et là il va mourir, tu vois. Ah merde, je suis dans le poste. Mais le poisson tu meurs pas, je sais plus, il y a un truc pour pas mourir. Ouais, en bas. L'épée. Ouais, en bas c'est. Ah oui, ouais, imagine non, avec l'épée, tu peux bloquer. En bas c'est pour te purifier, mais il y en a un qui était dans le poison, il avait je sais pas combien de multiplié et il mourait pas en fait. T'as un temps. Ah en mais fait. Si, il y avait c'est vrai. Il y avait t'as un temps pour ça. Mourir en fait, tu peux être à x4, x5 et un truc comme ça, je sais plus. Ça. Ah ouais, c'est vrai. Ça monte à tellement même longtemps. Et en vrai, ça monte à. Ça fait 2 ans et demi. Même pour les gorgones, tu peux être une année 1. C'était filmé, il était à plus de 2500 sur une gorgone. Ah oui, j'ai vu ça. C'est il y a pas longtemps. Ça, c'est normal. Ouais. C'est normal. C'est un bug. Ouais. C'est avec l'épée et tu te colles à la machine. Ouais. Ah, mais l'épée, même pour Cropta, tu peux aussi avec ça. Ouais. Yoshi, tu te mettais là aussi pour les légions là. Dans le ouais, coin, ouais, ouais en bas, dans le trou là. Dans le trou là. Et des fois tu faisais fail et tu sautais. Non. C'est ça. Et t'as tiré juste en dessous en fait. Il y avait même un petit rebord et des fois t'avais la chance de te mettre juste dessus. Et des fois t'avais la chance où tu tombais. Et tu mourrais comme une merde. C'est ça. Ah, maintenant c'est tellement facile en fait. Quand tu fais... C'est dommage, ils auraient dû remettre à niveau ces raids là. Ah mais ils peuvent pas. Ils ont y a pas l'utilité. Bah en fait ils les ont pas remis à niveau pour les nouveaux joueurs qui arrivent dessus, mais ils les font même pas. Oh merde. Après comme c'est qui joue sur WoW là. Non, pas moi qui l'avais un et que j'entendais la. Il est pas là. Bah sur WoW en fait ils ont pas fait le. Ils ont pas remis le raid à jour, mais ils ont remis le boss en fait. Ils ont fait revenir le boss dans un autre raid. Ah bon. Oh c'est pas mal ça. Ragnaros. Imagine la prison des vétérans avec tous les boss des raids. Boss finaux. Oui de vrai, oui il faut. Tu mets 45 heures ça. Ils font un raid avec tous les boss, que tous les boss de fin. S'il vous plaît, arrêtez de parler de la prison des vétérans, s'il vous plaît. Ah ça non, me fait mal au cœur de savoir boss. Qu'ils ont sorti ça pour un raid. Pour un raid comme ça. Moi j'ai bien kiffé moi le. Ouais, j'ai bien aimé la prison des vétérans. Parce que non, le principe est bien mais kiffé. Encore une fois ils sont chiés sur la difficulté. Ouais, si le raid était sorti, moi je dis que Skolas, ouais, c'était un bon boss. Hein. Skolas au début il était chaud, Skolas, ouais. Il était hardcore. Hein. Je dis pas. Oh, Skolas il était hardcore au début, quand il était en feu, oh putain. Skolas en. Ouais, mais en solaire, feu tu pouvais le niquer plus vite en plus. Ouais, en fait, il était plus puissant, tu pouvais le niquer plus vite. Bah, je l'avais dit à Yoda qu'on avait eu le record, mais un jour après, les Américains nous avaient battu. On avait mis 20. Américains. Moi j'avais dit 29 secondes. Ah ouais, c'était avant le patch ça. Avant le patch. Ouais, 29 secondes on avait mis pour le tuer. Ouais, c'est ça, il a été fait en 21 juste. Et après il avait été fait en 27 et après 28, ouais. Mais au début on avait le record. 29 imagine secondes. 21 secondes pour taper le truc qui est censé être le plus difficile. C'est ça. Ah mais voilà, c'est pour ça que le gars là ils l'ont retiré, hein. C'est pour ça qu'après il a été patché. Ouais, bon après ils l'ont remis juste pour faire plaisir aux anciens. Vite fait quoi.
Oh. Après ils disent ça, mais quand ils ont mis les quand ils ont mis les autres dégâts, c'était à peu près le même temps qu'on mettait. C'était bon sniper, c'était bon. Ouais, c'est vrai, après ça allait vite, tu vois. Ah ouais. Ah. C'est pareil, je sais pas pourquoi les gens ils disaient au début, le balcon. Au début ils disaient les gens full gala à chaque fois. Je vois juste le nombre de personnes qui sont sur le live. Y'a du monde. Ah bah j'étais à 12 et là je suis à 9. Ah ouais. Les gens se battent, ils ont vu ton gameplay, ils ont fait c'est de la merde. T'es mort non Posidon? Non non. C'était y'a... Non non, je vous dis dès qu'il est mort, si jamais vous le voyez pas, bah je vous le dis les gars. Bah c'est gars, c'est bon, il redescend à 0. Moi je sais qui c'est qui est mort. Ouais. C'est Killer. Ouais, Killer. Ouais, mais tu peux toujours passer derrière la map et j'ai glissé et elles sont enrochées. Ah oui, c'est vrai, Killer. Ouais, c'était quoi? C'était il y a 2 semaines, j'étais à 84 personnes sur mon stream. Putain. Oh putain, bon, j'étais content. Sur Final Fantasy 15. Oh, c'est bien parce qu'il y a plus grand monde maintenant sur Destiny. Hein. Bah, c'est ça. Faut voir ce qu'il regarde. C'est le ah là, faut défendre les déchirures, ça. Et je défends à gauche. Ok. Mais c'est comme depuis tel que j'ai droit. Yoda, tout à l'heure, on défend les déchirures. Mais non. Bah si, c'est juste qu'il y a milieu, après droite, gauche, et après c'est les trois en même temps. Bah, ah ouais, c'est vrai, j'avais zappé, putain, moi je suis en train de despawn kill à gauche, là. On fait les déchirures. Toi, on aura fini le raid, il sera encore à la première étape dans sa tête. Ouais, c'est ça. C'est possible. Et bon, on fait quoi, là, en fait? Je crois que je suis aussi paumé que Yoda. T'es en négation par 4, mon gars. Hop, c'est bon. Là, en fait, il est déchiré, Killer, mais... à gauche. Killer, et... merci, parce que dernièrement, on voulait faire le trophée. On voulait faire le trophée pour Yoshi. C'est bon, à gauche, quoi? À gauche, oui, on est dessus. On voulait faire le trophée pour Yoshi, pas mourir, le raid il l'a pas fait. Voilà. J'ai la marque, bah si, je le vois là. Moi, non, personne l'a marqué. Personne n'a vu. C'était à la faute du passereau. En vrai, c'était chaud en fait de le faire dès la première année en fait, ne pas mourir pendant ce raid. J'ai une question, vous entendez vibration. Franchement, c'était c'est le plus compliqué. On va faire sans mourir. Non, non, on était parti pour le faire, on a eu des bugs au Templier et tout, donc ça, il y avait des vieux bugs. On a jamais été plus loin que le Templier, je crois, il y a tout le temps un truc. Après Cropta il était facile à faire ensemble, ouais. Ah oui. Moi je l'ai fait sur Cropta. Bah c'est bon, le seul jeu que j'ai en platine, hein, Destiny. Moi aussi. J'ai eu mon 7ème avec Final Fantasy XV. Tu l'as platiné, putain? Bah oui, bah Final Fantasy XV, je l'ai platiné en une semaine. Ah oui, quand même. Et c'est quoi les 7 autres jeux? Surtout un truc, pas de spoil sur Final Fantasy XV. Hein? Quoi? Pas de spoil sur Final Fantasy 15, sinon je te tue. Alors, tu vois, dans Final Fantasy 15, en fait, ban. C'est. Au final, tout le monde meurt à la fin. T'es le mec qui dit n'importe quoi. Eh, mais voilà, voilà, pourquoi tu l'as gâché la surprise? Les gars, on doit faire quoi là? Je me souviens plus, moi je suis perdu là. On doit sur les mobs, les gars. Alors là, là on doit se cacher. Là, on doit se cacher, c'est les lésions. Eh, mais t'es vraiment du père! Moi, ouais, mais rendu où? T'es rendu où? Moi je suis à gauche là, je me cache pas, je les tue. Ah, moi aussi je suis à gauche. C'est les liaisons, après c'est les oracles après. Ok, impeccable. D'accord. Bon, c'est les oracles, je vais à la droite. T'as posséder dans les prends cher en tout cas. Ah non, on va en haut. Mais non. On va en haut, mais c'est brise glace. C'est brise glace, on se met en haut. Ouais, c'est ça. N'écoutez pas. Je suis un berserker moi, plus je prends des dégâts, plus. Un berserker. Putain, il a défoncé le mot. Bah non, berserker. Les 7 routes au jeu, je te dis. Donc c'est Final Fantasy XV, Ratchet & Clank, Far Cry Primal, Final Fantasy XII, Destiny, Rocket League. Rocket League, putain. Ouais. Eh, on loot à cette étape. Je savais même pas qu'on pouvait avoir des trophées dessus. Ouais, moi non plus, mais... enfin, je savais pas qu'il y avait un platine sur toi. Ah non, attends, moi j'ai un deuxième platine, c'est sur le soldat inconnu. Ah bah oui, toi. Ah ouais, il faut que je le fasse, soldat inconnu. Il est mort. Mais soldat inconnu, sauf qu'il y a pas de platine en fait sur le jeu. Non. Ah voilà. Détruisez les trois cadres, attendez les gars, je vais mettre le soin au max là. Je sais pas moi. Verdict rendu. Faut que je le. Attends, okay. Je vais faire la gauche cachée, attention. Vas-y, ma reste à droite, les gars. Je suis déjà à droite, on est déjà. Ouais, c'est bon, bah de toute façon, c'est bon. Je fais confiance à Poison pour qu'il survit. Ouais, que le... Il y en a qui a spawn là. Faut mettre des balles pour les buter, hein. Non, bah, mais tu prends le verdict rendu. Je l'ai pas, moi. Hey. Enfin, je l'ai pas augmenté. Hey, faut que je mette 3 balles de. Et faites gaffe, y'a les snipers aussi. Oui, oui. Ah ouais, c'est vrai cela. Je les avais oubliés. Ces connards. Attends, les snipers, il y a des mobs au milieu, c'est la folie cette étape. Ils ont pas spawn les snipers encore là. Ah, ils ont spawn. Ah, si, ils ont spawn. Et n'oubliez pas aussi. Une balle, on les tue. On est pour le boss là, quand on va faire les TP. N'oubliez pas, il y a des minotaures qui vont spawn donc.
Ah oui, c'est vrai. T'en vas faire les TP de quoi? Quand tu vas faire le TP du boss, pour éviter qu'il se TP. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des minotaures. Ah oui, mais ça c'est l'étape d'après. Normalement, on va le buter tellement rapidement qu'il va pas avoir de problème. Je me pose la question, c'est encore des trucs cachés dans Destiny. Caché, caché. Caché à gauche. Ouais, je pense qu'il y a des petits trucs. En tout cas, je peux dire qu'une roquette de Gjallarhorn ça détruit. Ouais. C'est toujours aussi puissant. Ah. Porte mon fusion, ça les pète pas. Ah, mais les oracles ça a de la vie. Hein. Ah, le fusion du raid il était bien. Ouais. Le fleuron pète rien. Toutes les armes du raid. En fait, tu vois, j'ai le verdict rendu. Kins qui la seule personne qui commande dans mon chat. En même temps, les autres ils jouent. Non, mais c'est bon, Killer il est revenu. Hein. Ça déchire quand même. Ah, c'est vrai qu'il est vivant. C'est la première fois que j'ai eu. Première fois que j'ai eu autant de personnes sur un live. Enfin, première fois que je lance un live aussi. Félicitations. Merci. Je sais que t'es jaloux, Yoda. Ouais, c'est bon. Il y en a une que j'ai entendu de l'autre côté. Elle est où? Ouais, à gauche. Vas-y donc. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Oui. Ouais. Ouais, je viens de repenser un truc. C'est les armes d'Oryx qui a le seul où il y a deux esthétiques. Deux esthétiques. J'ai une captée. Ouais, genre blanc et noir. Bah oui. Ouais, pour le hard. Le blanc est en normal et le noir en hard. Dommage que les autres raids ils l'ont pas fait. Au jeu répondu, je mets une balle au sniper, il meurt. Des trucs différents entre les armes normales et raids et hard. Pour créer le raid. Genre. Ouais, peut-être pour fureur mécanique, ce serait pas mal. Ah, mais c'est trop tard. Mais... Ouais, moi, ouais. les armes de fureur mécanique, franchement, c'est stylé. Moi j'aime bien. Ouais, une fois amélioré au max, ouais, c'est pas mal. Le revolver, surtout, j'aime bien. Je sais pas, je l'ai pas encore. Avec le fusion, ça. Ouais, bof. Ouais. Non, mais il faut avoir un fusion avec un impact au maximum. Pour avec télémètre. Parce que là, j'ai un vieux fusion, là, et je suis... Il a paniqué. Non, moi, j'ai toute ma vie, c'était pour vous. Moi, je retourne à ma place. Ah, t'inquiète. T'inquiète pas pour moi. Parce que vous aussi, vous êtes dans le rouge, des fois. Non. D'accord. Non. Ça me rassure pas. Non, mais toi, t'es mort, Killer. Tu sais comment je suis mort? Under the map. Wow. Under the map. Ça, c'est tout ce qu'ils disent. Si tu peux passer au truc de la map là, devant le caveau. Oh, t'es... Et pour Destiny, j'aimerais bien qu'il fasse un raid, le premier raid bien travaillé de ouf. Genre à Théon, mais en mieux. Attends, il a survécu, je sais pas pourquoi. C'était des mensonges en fait, Destiny. Le fusion d'Osiris il est pas mal pour les oracles. Tu mets deux rafales. Oh là là, la petite roulade Poséidon. Oh là là. Il a contre, trop la classe. On est série combien? 4? On est 4 ou 5 là? On a la 5ème. Là, ouais, on va faire 5. J'ai pas compté non plus, hein. Je vais pas vous mentir. Dire qu'à l'époque on galérait pour la faire, on avait carrément l'ordre et tout noté sur des feuilles et tout, mon gars. Oh oui. Putain. Ouais, si on faisait tellement presque pas de dégâts avant. C'est ouais, puis on avait pas les doctrines à fond, on avait rien. Ouais. Alors que maintenant, genre, t'as le gars là qui revenu, il y a des casques, genre, comme le pistolet roue une balle, qui font plus de dégâts. Puis on était niveau 30, parce que là, tu sais qu'en fait, le jeu il compte, si t'es au-dessus du niveau des mobs, en fait, il te rabaisse à 4 niveaux au-dessus d'eux, en fait, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça veut dire comme ça, ouais. Ouais. On a fini? Non. Ouais. Je crois, il entendait pas un son. Il est pressé, hein, Yoda. Non, j'étais étonné, en fait. Oui, à la fin il y a tous les trucs, je crois. Ouais. Il y a tout. Ouais. Ah, il y a les 7. Ah, il y en a 7. Merci. Généralement, je crois que ça finit au milieu. Ouais, bah c'est la dernière là, c'est la dernière.
Je crois que c'était la dernière, je viens de la... Ouais, c'était la dernière, c'est sûr, je m'en souviens de cette série. Ça finit par la une. Non, c'était la série où tu fails, c'est celle que tu connais par cœur, celle-là. Et après, tu pètes un câble et tu passes 10 heures. Eh, c'est là qu'on... Là, on peut looter quoi, Léo, là ? Posé ! Là, je crois que c'est... Léo, oh là là ! Le fusion... Le fleuri, je crois, ici, non ? Ouais, le fusion. Bon, je sais pas où il faut aller. La grande faucheuse, c'est après, c'est au Templier, non ? Ouais, c'est au Templier. Ok, je reviens. Franchement. Ah, si on la reloot. Ça vaut grave plaisir aussi. Bah, moi, la dernière fois, j'en ai looté deux. En même temps. Et du coup, il y a double. Année 3, toi, t'es là. Ok, bon, bah, je dis pas non. Bah, là, je suis avec la grande faucheuse de l'année 3. Hein. L'année 2. Moi, je suis pas aussi. Ah non, il en reste une. Oh, ah, surprise. Ça se finit au milieu, le. Et pourtant, c'était la dernière, c'était la 1. Bah là c'est la fin, là c'est la fin. Ouais. Tu vois au milieu, la dernière. Elle est au milieu là. Ouais, elle est au milieu. Elle est au milieu. Et il faut faire quoi là? Bah là, là c'est juste à droite que... Faut survivre. Tire sur l'oracle si tu peux. Tout simplement. Normalement on va être full munitions là. Ouais c'est ça. Vraiment, ça remet full munitions. Avec là les orbes par terre. D'ailleurs, j'ai pas mis mon super, j'aurais pu le mettre pour les orbes. Oh, attention, une flèche du gala, hop, terminé. Hein. Oui. Ah, c'est bon, normalement. Je sens là encore la série, tu sais. Ouais, moi aussi. Non, non, c'est bon. Ça met longtemps, c'est normal. Non, ça va faire un bruit chelou, je crois, non ? Bien plus. Juste qu'ils disparaissent. Bon, surtout qu'il y a un truc qui va spawn au milieu en fait. Normalement. Ouais, la relique. Ah, bah voilà. Ouais, ah, j'ai eu les bottes. Le fleuré. J'ai eu les bottes moi. Ah, ouais, j'ai le snipe. La blague. Et j'ai eu les gants. Je les garde, je suis sûr, je les garde. Vas-y, moi je prends le snipe. Yoshi, ça a toujours pas changé. Non, mais c'est scandaleux. En fait, tu vois, j'ai les bottes en 130. En fait, ce qui serait marrant, c'est que la prochaine fois on le fasse en 130. Avec du stuff de l'année 1. Ouais. Ah bah mais c'est... moi pour ouais, le faire rien je serais pas là. Oh ça spawn, ça spawn, ça y est, ça spawn. Ouais. Vas-y, dépêche-toi, il y va. Vas-y, eh les gars, ouais, moi je me mets à l'opposé après pour le TP. Faut qu'il y ait un petit en bulle pour bloquer la TP ou un truc. Moi je vais à l'opposé moi. Moi je me mets là-bas. T'as la res, on fait quoi du coup là? Il y a les oracles, il y a les oracles. Faut survivre. Les oracles, putain, je suis perdu. Y'a pas genre un truc qui one shot? Yoda, tu l'as l'oracle, vas-y. Je l'ai eu, il est mort. Non, tu l'as pas. C'est toi, il court pas. Si, c'est Proximi qui l'a eu. Bah, oui. Il en manque, il en reste une alors. Non, Killer, il a tué le premier. Un trop point de téléportation. Devant toi. Faut le démonter. Oh, en fait, téléportation, elle est où? Elle est là, elle est sans moi, je l'ai bloqué. Et on l'a défoncé. Ah ouais, mais en fait, il y a plus de difficulté. Voilà. Grand chose. Yes. Ouais. Oh, n'oubliez pas, le qui pense en demander d'être content. Le coffre, c'est pas au milieu, n'oubliez pas. Ouais, c'est pas au milieu, faut... Ah ouais. Je vous jure, je suis content. Grande faucheuse. Cette légende. Ne l'ouvrez pas. Non, n'ouvrez pas. Voilà, on va pas voir le galore maintenant. Ouais, voilà. Ah ouais, mais moi, de toute façon, je garde le galore pour tout à l'heure. Moi bon, j'ai le galeron de là. Ah, je vais jouer avec la faucheuse, les gars, je crois. Ah, oui, non, faut prendre le 6ème coffre. Ouais. Ici, ce qui le fait le plus mal, c'est le. Comment il s'appelle là? Le slipper. Ouais, le slipper 70 sur la Théon. Il lui fait du 70 000. Il fait beaucoup de mal. Ah, bah allez, je vais le transférer. Je l'ai pris, de toute façon. Même au Gala, on va le défoncer, de toute façon. Donc, Ah, oui, le Gala, mais bon, le slipper il fait très mal. Allez, les stratégies qu'on avait créées aussi là-dessus. Il y avait des stratégies tout ça tombé à Théo. Le coffre, il est le 6ème coffre, il est où déjà? T'inquiète, suis-moi, t'inquiète. Il est en et bas. Cette fameuse technique aussi là, le faire tomber. Oh putain, avec la grenade. Ouais, mais ça c'était nimp. Oh là là. Moi j'ai pas connu ça, mais je l'ai vu en vidéo, ça m'a fait beaucoup rire. Ah bah c'est tombé. C'est pour ça en fait que tu poses une grenade solaire, le truc il tombe. Hein? Si tu vois Halloween, il y a une quête où tu dois tomber dans la tour avec le masque d'Athéon, c'est pour ça. Ah mais ouais, oui, ouais, oui, c'était oui, ça. C'est vrai. Ah, c'est ça le petit easter egg, ok. Bah oui. C'est ça. Muggy. Mais ça, Muggy, ah, oui, c'est ça. Il...
tous les trucs, ils les font en référence après. Bah, c'est comme quand ils ont rajouté un truc aussi dans la loot cave. Raoul. Ouais. C'est ça, ouais, tu l'activais, ça disait que le cryptard il en voulait plus. Ouais, c'est ça. Ça c'était marrant. Ah, et loot cave, laisse tomber. On a débloqué le coffre. Putain, avant quand t'avais ce coffre, c'était de l'aléatoire, tout le monde croyait. Ouais. Peu pauvre énergie. Ouais, ouais, en gros, tu casses les énergie, mais. Tu vois, au guide, tu les échanges contre des particules. C'est pas. Il faut se baisser. Merci. Il sait qu'il est trop grand dans ce jeu. Il sait qu'il y a eu la grande faucheuse. Moi. Proxime aussi. Non, pas moi. Non, moi j'ai eu le fleuret. Moi j'ai le fleuret prétorien. Moi je vous dis, je tape et je galère. Largement. Pour qui, c'est pour qui le premier exo? Ah non. Non. Damn, mais j'ai même pas eu d'exo. Merde, moi je suis pas là du tout. Attends, j'y arrive. C'était mieux avant. Y'a même pas d'exo. C'était mieux avant. Genre, aucun exo va tomber, quoi. Attends, ah oui, il y a aussi la truc là. Attendez, je change de personnage. Ah oui, ah oui. Tu fais le dame. J'ai la honte. Eh non. Aucun exo. Aucun non. exo. What? Attends, tout le monde l'a pris? Oh ouais. Ah ouais. Ah, c'est là. C'est l'étape Balon Gorgon. Yoda, le con perso. Ça s'appelle pas les persos de l'époque, ça? Ah si, grave. Eh, par contre, j'avais oublié que pour améliorer les armes aussi, il fallait des. Ah, faut des parties des énergies d'ascension. Oh, le pire, ouais. C'était les pièces d'armes, il en fallait 16 et tout par chaque amélioration. J'étais là. Là, il y a des libellules ici. Des libellules. Des libellules. Il y a plein de libellules là, ici. Si vous en rappelez, c'était le chasseur Fufu qui passait. Non. Ouais. Bon, les gars, attendez. Et par contre, les gars, on est d'accord qu'on va chercher le coffre à droite, hein. Ah ouais, putain. Ah, oui. Merde, c'est vrai, il y a un coffre. Ah oui, le système là aussi là, on pouvait tuer qu'une seule gorgone. Non, tu peux en tuer plusieurs. Ouais, mais elle donnait de la résistance. Tu peux en tuer deux, je crois, non? Le coffre à droite. Ouais. Il y a un coffre hein, là-dedans. J'ai faut la tuer. Faut la tuer. On la tue. Tu allez, la tues, on la tue. Non. Elle était morte. Non, ma première mort à cause d'une gorgone, tu deg. Ah ouais, c'est pareil. C'est à cause de qui? Oh là là. C'est le mec. Il est fort. Non, mais il est mort. Si, on a deux pour tout le monde. Allez, bâtard, il va lancer direct. Allez, on suit killer. On suit killer. Et ça, il va le faire détecter. Attends, préparez votre Galahorn au cas où. Comme non, ça, on est trucs. T'es regardez. Elle est où? Elle est où? Elle est là. C'est bon. Yes. Faites gaffe par contre. Là, on se voit, il y a une gorgone ici. On n'a pas fait trop de bruit. Attendez. N'importe quoi. Quel connard qui a pas mis ça. Non. Ah non. Tu l'as. Elle est là. Éliminée. Elle a beaucoup. Non, elle a. Non, mais non. Elle est morte. C'est bon. Ah, on est mort pendant le combat. Mais non. Pourquoi le coffre il est fermé là? T'es là le coffre que... On a fait trop de bruit. Ah, c'est vrai. On a fait beaucoup de bruit. Attendez, il y en a une à gauche là. Vas-y, on part à droite. Là, je me souviens plus de la route. Moi non plus. Je sais d'un truc, il y avait un caillou. Moi je me souviens de la route. Moi je me souviens de la route. Hein. Ouais, que c'est par là. La route. Sur ma route. Ah, non, je... Apprenez le français. Attendez, il y en a une. Oh, oh là, attention. Attends, faut monter là. Attends, y'a pas un truc qu'il faut monter là? Mais non, on va aller tout droit. Si. Non, là, y'a un petit. Ah non, ça. Oh putain, non, Yoda. Oh, super, regarde, il est super. On l'a tué. Il a deux. Ah, bon, ouais. Il est immunisé. C'est mort. Ah putain. Oh putain. Bravo, merci Yoshi, merci. J'ai rien fait moi. Bravo. Merci. Je suis mort moi. J'aime bien parce que le nombre détecté 4 alors que il y en avait 2 où j'étais mort. Regardez, hein, suivez-moi. Suivez-moi, on va faire le. Je vais vous ça c'est à cause de Yoshi, il a dû péter la gorgone à l'entendu. Mais Killer aussi il connaissait bien le chemin aussi, je me souviens. Allez Killer, on te follow. La bande faut pas traîner. Au revoir. Oh la vache. Ah y'en a. Ah, non, c'est quoi? Eh, je suis en train de courir avec le. Eh, c'est à droite. Je cours avec le Galahorn, mon gars. Discussion.
Je la regarde même pas. Oui, mais on était en hard, c'est vrai. Ah, il y en a plus. Ah non, il y a celle qui bouge pas. Ah, il y en a une derrière, il y en a une derrière, je répète. C'est pas j'en ai une derrière, j'en ai une devant derrière, je répète. Non, roquette. Vous êtes trop de bruit. La deuxième. Là, venez, à proximité. Il y en a une, elle vous regarde. Tu sais. Là, regarde, venez par là. Il y en a une qui a vous look, faites gaffe. C'est égal, on y est, c'est là. En train de boucher la gorgogne. Courez. Il y en a qui veut faire griller. Voilà, c'est bon. Elle nous chie. Ah là, il était. Mais non, non, mais non. Yoshi, René, non, Yoshi, on l'a tué, Elle est où? Elle est là, bah c'est voilà, bon, regarde. Non, Yoshi. Mais vous avez pas attendu, putain. Mais pour rester normalement, là, il m'a fond là. Moi je dis Yoshi cause des problèmes. Yoshi va en orbite. Retourne. Ouais, il y avait toujours un gars qui disait bon moi je vais en orbite les gars. Attendez. Allez, moi j'étais ce gars là moi. Ah, c'est bon. Allez go. Voilà, on attend. Hein. Attends, non, par là, regardez. J'ai claqué des roquettes, tout droit, tout droit. Ah, moi aussi. J'ai claqué des roquettes moi. Là ici là, regardez. Tout droit, ici, voilà. Vous venez là. Je suis un mec Véléfort, je sais pas s'il est sûr. T'inquiète pas. Attends. Moi je suis killer moi. Je le sens pas. Là, qui passe. Là vas-y, on y va. Prépare-toi à rusher maintenant, là tu cours. Oh, killer à droite. Voilà. Là tu cours, tu cours. Non, qui est derrière moi. Sautez pas. C'est pas du bon saut. C'est bon, tu me tues toujours derrière. Vas-y, à gauche. Oh, t'inquiète. Le pire, on parle moins fort, on croit qu'avant nous entrer. Oh, on peut lancer par route à côté d'elle, j'entends rien. Les gars, serrez bien les fesses. Yeah. Eh, vous vous souvenez, il y avait un coffre en bas aussi là à gauche, non? Non, c'est pour la mission. Mais il va vendre des coffres Yoda. Non, je me souviens, en fait, il y avait un rond. Et comme si avait... des mécaniques. Non, il y avait un rond comme s'il y avait un coffre en fait, mais il n'y a jamais eu de coffre, c'est vrai, je me souviens maintenant. Oh merde! Oh putain, là ça va être. Moi je dis ça, mais Yoda travaille chez Activision, on ne l'a jamais dit. Non. Préparer les coffres. Il prépare actuellement Red Dead Destiny 2. Non, je rigole. Allez, je vous suis, les gars, je sais pas si c'est maintenant. Oh, ah, je me rappelle avant, ici c'était genre le chasseur. Attends, le tu crois que je peux tomber sans mourir là ou pas? Je meurs ou pas? Oui, avec l'arca, le chasseur, tu peux le faire. Ouais, avec l'arca, le titan et le chasseur, tu peux le faire. Il reste qui là-haut? Attendez, on a ton position, les gars. Je suis stressé, ma gueule. On va se marrer. Attendez-moi. Ah, ouais, c'est moi qui ouais, va. Ouais, mais c'est Poseidon. Moi qui va à droite. Ouais, c'est Poseidon, c'est ça. C'est le mec qui est pas encore 400 quoi. Ah, moi j'y vais tout ça. Je reste là, on sait jamais. Et moi perso, j'ai équipé la grande faucheuse, les gars. Je suis plus 400 là. Les gars, tu vas avoir du contenu, Kings. Tu vas avoir du bon contenu là. Allez. Ouais, non, mais je vois déjà. Yoda, moi je suis 244. Hein. Vas-y, on le canifie. Je sens chaud là. Ouais, on le tue d'ici. Je me rappelle des strats, c'était genre ne passez pas la porte, sinon. On doit faire quoi là? Je me souviens plus. Ouais, tu vas ouvrir les trucs. Y'a pas un truc où on récupère pas nos points de vie? Non? Ah non, ça crop en même temps. C'est un crop tasse. Vas-y, je vais. Je rentre dans le portail de droite, moi. Mais toi aussi, t'inventes des étapes, hein. C'est sûr. Ouais, je rentre dans le portail de droite. T'inquiète. J'ai mon super. Je rentre en arcacrio, mon gars. Non, c'est bon, moi. Vas-y, killer, va. Ramenez Poseidon dans un portail, les gars. Vas-y, killer. Il veut voir du contenu, Kings. Bon, 3, 2, 1. Yoda est mort. Je vous parie tout. Non. Je suis logique, le truc, là. On se souvient plus, comment on fait pour se purifier, je m'en souviens plus. Ah, on peut aller courir. On peut aller courir comme ça, mettant des coups de bouclier, je m'en souviens. Aïe. Non, j'étais juste au début, mais non, j'ai juste la fin. Vas-y, à gauche, la relais qui est juste devant la porte. On va mourir. Non, mais non. C'est bon. T'as vu où j'étais mort, professionnel. Juste mec, devant la porte. Scandaleux. Eh, je tape en haut. Non, en haut, laisse-toi. Bon, après, ouais, non, normalement, c'est nous. On va faire gros. Et c'est rouge. Ouais, vous c'est chaque portail. T'as vu Yoshi où je suis mort? Juste devant. Bah ouais. T'as juste à sortir je suis et c'est sorti, bon. J'ai juste eu à faire carré pour prendre la relique. Bah oui, j'étais juste devant. J'ai tué le Templier, c'est bon, au revoir. Ouais, est-ce qu'il y en a qui va looter la Vex, vous pensez? Moi, je dis que je vais la looter. Eh, le super du bouclier, ça te dégomme le Minotaur direct. Poseidon, ouais. Xalahorn.
Okay. La relique, elle était violente quand même. King, si me disant que je dois l'utiliser. Il est mignon. Je l'ai fait rentrer. Eh là, on peut looter quoi? Ah oui, la batteuse, non? Ouais, la batteuse ouais. Ou et le. Le rocket, non? Non, pas d'accord. Le rocket, mais merde, le sniper. Si tu veux, Destiny. Genre, il y avait marqué en bas grimoire chardon. D'accord, bah. Explique-moi. Oh la batteuse. Ah, oh, j'ai eu les gants. Moi j'ai eu la batteuse. Mesure corrective. Non, activez Mars, ah, c'est bon. Ah bah moi je vais mourir parce que je vois tout noir moi. Mis d'épaule, j'ai eu le rapace noir dans le coffre apparemment. Donc attendez, je me cache parce que là ici. Ouais. Attends, je me souviens plus, on doit faire quoi là? Mesure corrective. Là on doit se cacher. Et ouais, en bas de TP, ouais. Y'en a 3 qui vont être TP. Protégez-moi parce que là je vois plus rien. C'est bon, je vois plus rien. Imagine t'es pas TP. Ouais c'est ça. Bah si je suis TP, bah bonne chance pour les relis. Attendez les gars, Mars c'est à droite? Non c'est Vénus à droite? C'est Mars à droite? Bah... Mars à gauche et... Non, Mars à droite, Vénus à droite. Ah je suis con, avant j'étais sur Vénus putain. Tu regardes ta carte. Tu regardes le petit triangle. Vénus. Oh j'ai oublié qu'il y avait les... Attends, y'en a une là. Oh, Vénus à gauche. Non, Vénus c'est à droite. C'est ici, Yoshi. Ah ouais, mais le jeu... Attends, y'en a pas un qui doit tout clean là? Je vois pas rien. Ouais. Eh mon gars, vous verrez ça, c'est magique. Attends. Non, on va crever là. Non. Ah mais c'est mort, hein, on va crever là. Vous avez pas buté les oracles. Ah c'est mort. Véléphant, ne touche plus à la relique. Hein. En même temps, je suis tout noir moi. C'est à vous de faire les oracles. Raciste. Oh les mecs. Oh là mon gars. Oh, ça va être épique. Putain. Oh putain. Oh mitrailleuse. J'ai bien aimé le. C'était tout noir. Espèce de raciste. Ah là c'est bon. Non mais il y voyait vraiment tout noir. Ok bah moi je retourne à droite. Noir, ah, c'est noir. On va aider à Théon venir, à arriver. Et venez au but comme ça sans aller prendre les oracles. Allez c'est parti. Ça doit être fait, ouais. Au but au galop. Je suis sûr, tu mets toute la communauté des si, tu lui enlèves pas un quart. Hein? Tu rigoles? Il a rien envie. Bah, il a pas grand chose envie. Hein. Il a rien envie. Il y en a plein. Ouais, mais là. Il y en a plein qui l'ont tombé sans les oracles. Ouais, il a déjà perdu. Bah oui. Avec la technique de l'arc. Ah, mais c'est. Ouais, mais le tuer comme ça, c'est. Tu es sûr, tu peux le faire maintenant avec. Avec la flèche. Tu mets les flèches. Je suis TP. Mars. Allez, il y en a une au tuto, Yoda. On peut le taper là ou non? Non, je sais pas, tu peux le taper. Pourquoi j'ai pris un sniper moi, putain, quel con. Allez, ah, moi je fais ma chaud pompe avec sur lui. Ah, c'est Gorgon qui one shot ces putes. Oui. Ah, je me souviens, c'était terrible ça. Oh, ah, mais c'était des screamers les Gorgon. Ouais. Ah, ils vont rater. Non, c'est bon, on a réussi. Allez, go. Il faut aller où? Où tu mets? Milieu. Faut aller en bas là. Milieu. Allez, je mets le milieu. En bas là où. Flèche, you. Ah oui, ici. Je crois que j'ai raté ma flèche. Non, sans déconner. Oh la bulle. Téléphone. J'ai la bulle. Oh la flèche, je viens de la voir partir là. Proxy. Ils sont tous défoncés. Il met la bulle, je tire aussi. On bute. Allez, GG. Ouais. Allez, c'est pour qu'il avait. Ah, tout ça, c'est grâce à nous deux. Hein. Oh, j'ai le passe. Ils ont des confiances. Oh, et puis le Théon. Oh, trop bien. Ah bon, en vrai, c'est vrai qu'il serait dans looter pas des masses. Hein. Non. Les gars, j'ai bah, c'est comme toujours. Hein. J'ai eu tout le stuff. Ah, t'es refait. T'es tombé dedans, Proxy, si c'est bon. D'ailleurs, j'ai envie de refaire avec un deuxième perso là, tu vois. Ou un autre raid. Ah, en tout cas, vas-y, fais l'effort. C'est sûr. On fait un crop top. Franchement, quoi qu'il arrive, aujourd'hui c'est clair que le on a beaucoup plus de niveau qu'il faut pour ce raid là. Mais il reste quand même immortel ce raid, franchement. Il est. T'imagines, ouais, grave. Il met en 400. Putain, j'ai spawn sur Mars. Ouais, franchement, ça serait bien qu'il mette en 400. Mais je préfère que Destiny 2 sorte et qu'il fasse un pass là-dessus, tu vois. Clairement. On fait un cropta sans mourir. On fait un cropta, allez. Bah vas-y, on fait un cropta si vous voulez. Hein. Allez, go. Allez. Allez.